Ce monde va passer,
sagesse, ne passe pas. Ce monde va passer. 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 Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. 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 Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. 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 Ce monde va passer, ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer. Ce monde va passer, ce monde va passer. Ce monde va passer, ce Jésus ne passe pas. Un agent va passer, un pommade va passer. Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. 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 Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. 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 Ce Jésus ne passe pas. Non, j'étais dans les ténèbres. Demande le portable du frère Oscar. Sans espoir. Quand j'étais dans les ténèbres. Sans Dieu. Espoir, là nous avons trouvé Jésus-Christ, là nous avons trouvé Jésus-Christ, là nous avons trouvé Jésus-Christ, et nos âmes et la vie, là nous avons trouvé Jésus-Christ, Jésus-Christ, là nous avons. Trouvez Jésus-Christ, là nous avons trouvez Jésus-Christ, et nous a donné la vie. Quand j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Quand j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, Jésus-Christ, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, et nous a donné la vie, quand nous avons trouvé Jésus-Christ. Quand nous avons trouvé Jésus-Christ, Jésus-Christ, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, et nous a donné la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Madeleine Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus. Donc, bienvenue aussi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir pour vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il y a des millions qui sont en train de Jésus-Christ de Nazareth. Certains parmi vous avez déjà entendu parler, soit peut-être lui. Mais tu peux le dire maintenant, on vient de tout le monde de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes venus d'expliquer à toi, mon frère, qui est Jésus-Christ. Oui, il y a des millions qui viennent à l'heure, et il y a des esprits qui viennent à l'heure. Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait dans ta vie personnellement. Ak limu def ngir yow et ce qu'il est prêt de faire dans ta vie ce soir limu taxaw ni defaral la tay yile parce que Jésus-Christ est vivant dans Jésus-Christ mom mo ngi dougal et il est le seul qui donne la vie éternelle et mom rek moy kuy joxe dundé ko do dia Jésus-Christ est puissant Jésus-Christ amna dole ak ata il est le seul qui délivre les hommes du péché mom rek mom meuna yenné do mo adamay ci seni bakkar Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ mo ngi dundal il est le seul qui donne la vie éternelle aux hommes mom rek mo meuna dox aljana do mo adama si tu veux donc aller au paradis bo bëgg dem aljana
il faut que tu saches au sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham, quel mot est Jésus-Christ? Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Manifesté pour nous les hommes pécheurs. Le péché habite en chaque homme sur la terre. Depuis le jour où tu es venu sur la terre, tu es né dans le péché. Et le péché habite en toi. Et c'est quoi ce péché? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Cette nature, nous l'avons héritée tous. De Adam et de Ève. Depuis qu'ils ont désobéi dans le jardin d'Éden. Et quand toi et moi nous sommes venus sur la terre, nous sommes esclaves du péché. Nous péchons même quand nous ne voulons pas. Nous sommes liés à cause de cette désobéissance qu'a commis Adam et Ève. C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui tu continues encore à fumer la cigarette. C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui tu continues encore à boire de l'alcool. À cause du péché, c'est pour cela jusqu'à aujourd'hui tu continues encore à te masturber. À cause du péché, c'est pour cela jusqu'à aujourd'hui tu continues encore à faire les avortements à cause du péché. C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui tu continues encore à boire de l'alcool à cause du péché. Tu as essayé par tous tes moyens d'abandonner le péché dans lequel tu vis. Abandonner la masturbation. D'abandonner le vol. D'abandonner la haine. D'abandonner la colère. D'abandonner la pornographie. D'abandonner la cigarette. D'abandonner l'alcool. D'abandonner même la sorcellerie. Mais jusqu'ici, tu n'es pas capable d'abandonner ces choses. Parce que tu es esclave du péché. Tu es esclave du péché. Tu pries, tu jeûnes, mais tu demeures toujours esclave du péché. Et tant que tu demeures dans le péché, le salaire qui t'est réservé, c'est la perdition, c'est la mort. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que le péché dans lequel tu vis, la masturbation que tu n'arrives pas à abandonner, les films pornographiques que tu n'arrives pas à abandonner, le mensonge qui te rend esclave depuis des années, la cigarette que tu fumes depuis des années, tu n'as pas la force d'abandonner. Jésus-Christ, mon moyen,
porter ce péché d'alcoolisme que tu n'arrives pas à abandonner depuis des années. Jésus-Christ, mon moignon. Et à cause de toi, à cause de ton péché, Jésus-Christ va mourir pour toi. Mon nom, Jésus-Christ, guérit. À cause de tes avortements, à cause de ton adultère, Jésus-Christ va mourir pour toi. Et mon nom, Jésus-Christ, guérit. À cause de ta vie de fornication, Jésus-Christ mon Dieu, il appelle tous les pécheurs à lui. Il appelle tous les fumeurs à lui. Afin de les délivrer de ce péché. Il appelle tous les menteurs à lui. Afin de les délivrer de ce péché. Il appelle tous les voleurs à lui. Jésus-Christ appelle tous les masturbateurs à lui. Jésus-Christ mon Dieu, il est afin de les délivrer de leur péché. Jésus-Christ appelle toi qui suis les films pornographiques à lui. Jésus-Christ mon Dieu, il est mis des films afin de te délivrer de ce péché. Jésus-Christ appelle ceux-là qui ont la haine dans le cœur à lui. Jésus-Christ mon Dieu, il est comment dire les noms, il est afin de les délivrer de ce péché. Jésus-Christ appelle ceux-là qui ont fait les avortements à lui. Jésus-Christ, mon Dieu, le Dieu qui m'a tenu d'ailleurs Yakubi. Afin d'effacer les péchés. Jésus-Christ appelle tous les pécheurs du monde entier. Jésus-Christ, mon Dieu, Baka Kati. À venir à lui. Parce que c'est lui, l'homme, qui est mort pour les péchés des hommes. C'est lui qui a résisté le troisième jour. Afin de communiquer la vie à chaque homme. Et Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul espoir. Pour toi, pour aller au ciel. Jésus-Christ est le seul espoir. Si tu veux aller au paradis, il est le seul chemin. Il est le seul qui pourra t'amener au paradis. Parce que si tu continues à vivre dans ta condition de pécheur, si tu continues à être esclave du péché, tu ne pourras pas entrer au paradis. Parce que le péché ne peut pas au ciel. C'est pour cela que tu as besoin de Jésus-Christ. Afin qu'il puisse te communiquer la vie. Afin qu'il puisse restaurer ton cœur. C'est pour cela que tu as besoin de Jésus-Christ. Afin qu'il puisse t'amener au paradis. Les temps sont finis. Et Jésus-Christ invite tous les hommes à lui. Afin de leur donner la vie éternelle. Toi qui vis dans la religion. Et tu penses qu'en priant, en jeûnant. Tu penses qu'en partageant ton argent aux pauvres. Tu penses qu'en tuant les moutons, les bœufs. Tu peux obtenir le pardon de Dieu. Ou tu peux entrer au paradis. Ce n'est pas possible. Parce que l'homme est esclave du péché. Ce dont Dieu a besoin, c'est d'être délivré de tes péchés. Ce dont tu as besoin, c'est que tes péchés te soient pardonnés et passés par le sang de Jésus. Le sang des moutons, le sang des coqs,
le sang des deux. Et ton ami n'est pas pris pour effacer les péchés des hommes. Et veillez pour cet homme, il m'a pas passé bagarre. Le seul sang est pur, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le verre de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus. Verre de Jésus-Christ, il n'y a que le sang de Jésus. Verre de Jésus-Christ, il faut effacer les péchés des hommes. On m'a pas passé bagarre. Toi qui veux donc aller au paradis, et on m'a pas passé bagarre. Toi qui veux que les péchés soient pardonnés, et on m'a pas passé bagarre. Toi qui veux sauver, et on m'a pas passé bagarre. Et si tu meurs pendant que tu fumes la cigarette, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Si tu meurs pendant que tu te vends devant l'alcool, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Si tu meurs pendant que tu te vends vivre, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Mon avis, ça va aller. Jésus-Christ est dans la main. Jésus-Christ m'a dit afin de te sortir de ce péché. Afin d'effacer tes péchés. Parce que Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Si tu meurs avec la conscience de la masturbation dans le cœur, accepte
derrière un diable. Si tu meurs, je meurs. Il sera trop temps pour toi d'accepter Jésus. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et au dernier jour, ton père ne sera pas là pour te défendre. Tes amis avec qui tu payes dans le péché ne seront pas là pour te défendre. Au dernier jour, la femme avec qui tu couches ne sera pas là pour te défendre. Au dernier jour, l'homme avec qui tu pratiques la fornication ne sera pas là pour te défendre. Qui sera seul devant le trône de jugement de Dieu? Qui sera donc ton avocat? Qui sera ton avocat au dernier jour? C'est pendant que tu es sur la terre, tu dois accepter le véritable avocat. D'abandonner les fétiches. Toi qui te confies dans les fétiches. Toi qui pratiques la magie. Jésus-Christ est pas la main. Jésus-Christ pour les talons. Afin de te sauver. Maintenant, sauve-moi. Le seul qui donne la vie éternelle. Amen. Afin de te donner une nouvelle vie, je te le demande, afin de t'amener à comprendre le poids du paradis. Afin de leur pardonner leurs péchés. Jésus-Christ aime les femmes qui font les avortements. Jésus-Christ veut que dans le monde il y ait plus de vie. C'est pour toi qu'il est mort. Jésus-Christ, le seul qui pourra te donner la vie.
l'Éternel. Toi qui pratiques la fornication. Toi qui suis les films pornographiques. Toi qui es encore menteur. Toi qui continues à voler dans ton entreprise. La parole de Dieu dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi détruis-tu le corps que Dieu t'a donné? Pourquoi détruis-tu le corps que Dieu t'a donné? La dépigmentation est un péché. Et Jésus-Christ, il est prêt pour effacer tes péchés. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ aime les hommes. Jésus-Christ veut que nous demandions. Il est mort pour les péchés des hommes. Il veut que nous demandions. Il veut de les sortir du péché. Il veut que nous demandions. Tant que tu es sorti du péché, ça il veut que nous demandions. L'enfer est dans la science. Pour marcher dans la vérité, tu te mets toujours candidat dans l'enfer. L'enfer est réel. L'enfer est réel. En enfer, il fait très chaud. Le soleil de Dakar n'est pas comparable à la chaleur de l'enfer. Ne meurs pas dans l'incrédulité pour atterrir en enfer. Jésus-Christ te tend la main ce soir. Jésus-Christ, toi qui es encore fumeur. Toi qui es encore alcoolique. Toi qui es encore voleur. Jésus-Christ te doit aimer. Et il est prêt ce soir à te délivrer. Il est prêt ce soir à changer ton cœur. Toi qui es encore avorteur. Jésus-Christ est prêt pour toi ce soir. Jésus-Christ te guérit. Les temps sont finis. On ne meurt pas deux fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort, c'est le jugement. Et au jour du jugement, ton papa ne sera pas à côté pour te défendre. Au jour du jugement, le péché dans lequel tu vis ne sera pas là pour te défendre. Au jour du jugement, ton argent en banque ne sera pas là pour te défendre. Au jour du jugement, la femme avec qui tu pratiques la fornication ne sera pas là pour te défendre. Mais tu seras seul. Tu seras seul devant le trône de Dieu. Tu seras seul pour répondre à tes actes. Mais Jésus, Jésus-Christ, il est venu afin de porter tes péchés, afin d'être ton avocat. Toutefois, si tu te repens de tes péchés et tu l'acceptes sincèrement dans ton cœur et tu changes de voie pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la droiture, pour marcher dans la justice de Dieu, les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Et aussi Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Et aussi Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Et aussi Jésus-Christ est imminent. Toi qui te confies dans les fétiches, ramasse les fétiches et brûle-les. Parce que le fait ne pourra pas te sauver. Toi qui pratiques la sorcellerie, Jésus-Christ appelle à lui. Jésus-Christ, parce qu'il a le pouvoir de
l'essentiel. Toi qui es esclave de la sorcellerie, hein? Jésus-Christ a plein pouvoir pour te délivrer. Toi qui es esclave de la puissance du diable, Jésus-Christ a tout pouvoir pour te délivrer. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ préfère la repentance. Jésus-Christ veut que les hommes se repentent sincèrement. Jésus-Christ ne veut pas que le péché n'entre pas au ciel. Le péché n'entre pas au ciel. C'est bien d'aller à l'église. Mais c'est mieux d'abandonner le péché. C'est bien d'aller à l'église. C'est bien d'aller à l'église. Mais c'est mieux d'abandonner la masturbation. Je dois pour se vêtir de vêtements d'or. La parole de Dieu ne permet pas à une femme de planter des pantalons. Une femme qui dit aimer Jésus. Jésus-Christ t'appelle à l'obéissance de ta parole. Jésus-Christ, il t'appelle à enlever tes collants, tes pantalons, tes clés, tes gilets. Jésus-Christ, parce que tout ça incite à la convoitise et à l'infélicité. Les temps sont finis. La Bible déclare. Qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Si tu refuses de te répandre sur la terre des hommes, en enfer, il sera comptable pour toi. Si tu as atterri en enfer, à cause du péché, et tu pleures en enfer, il sera trop tard pour toi. Comment tu as encore l'occasion sur la terre? Les tombeaux du péché. Et marche dans la vérité avec le Seigneur. Et toi qui continues à voler dans ton entreprise. Toi qui continues à voler les stylos, les feuilles de l'entreprise. Toi qui continues à détourner de l'argent dans ton entreprise. La Bible dit que les voleurs n'ont pas de part dans le royaume des cieux. Et Jésus-Christ est dans la main ce soir. Et Jésus-Christ vous est dans le lot de Dieu. Afin que tu te répandes. Afin que tu te répandes. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le Seigneur Jésus vient pour enlever son église. Mais une église sainte. Une église loin du péché. Une église sanctifiée. Une église vivante. Les temps sont finis.
les poings. Les temps sont finis. On va trouver des poings d'épaule. Abandonne la cigarette. Bah, une cigarette, dégagez. Abandonne la drogue. Et viens à Jésus, Seigneur aussi Jésus-Christ, afin qu'il puisse libérer ton âme. Les temps sont finis. Jésus-Christ aime les hommes. Jésus-Christ aime les hommes. Jésus-Christ aime les hommes. C'est pour cela qu'il est mort pour nous les hommes. Afin de nous sauver du péché. Les temps sont finis. Jésus-Christ veut donner le papa. C'est lui qui est mort pour te pécher. Mon mot de Dieu, c'est Baka. Afin de te donner la vie éternelle. Il a vu que tu es esclave du péché. Il a vu que tu es esclave du péché. Il a vu que tu es esclave du péché. Le mensonge. La haine. Le firangé. La colère. Mère. Il a vu toutes ces choses. Il a vu le lieu. Et c'est à cause de toi qu'il est venu à la croix. C'est pour toi qu'il est mort pour le péché. Afin de pardonner tes péchés. Toi qui m'écoutes. Et tu pratiques la sorcellerie. Le salaire qui est réservé pour les sorciers qui ne se répandent pas. C'est l'enfer. Moi, ça fera. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. Ne veut pas te voir en enfer. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est mort aussi afin que les sorciers puissent se répentir. Si tu sais le diable. Au dernier jour, il va te jeter en enfer. Si tu sais le diable. Dans la méchanceté. Dans la jalousie. Qui pirangue dans la haine, qui meurt au dernier jour, le diable va te jeter en enfer. Jésus-Christ invite tous les sorciers à lui. Le mot de Jésus-Christ, afin de la sortie du péché. Jésus-Christ est maman. Jésus-Christ, c'est lui qui est mort pour tes péchés. Maman d'Engisai Bakar. Afin de te donner la vie éternelle. Qui est que le sang de Jésus-Christ? Qui peut effacer tes péchés d'avortement? Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Qui peut effacer tes péchés d'impudicité? Tes péchés de vol. De haine. De colère. Il n'y a que le sang de Jésus. Parce que le sang que Jésus-Christ a versé. C'est le seul sang qui est pur. Le sang des moutons. Des coqs. Des bœufs. Le sang de ces animaux ne sont pas purs. Parce que ce sont des créations. Et le sang de ces animaux n'est pas pur pour effacer tes péchés. Et tes prières, tes jeûnes ne sont pas aussi capables de te pardonner les péchés. Mais Jésus-Christ, il est venu prendre ta place. Il est venu mourir pour toi. Parce que le salaire que te réserve le péché, c'est la mort. C'est pour cela que Jésus va porter ton péché. Il va mourir pour toi à la croix. Il va mourir pour toi à la croix. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Et le retour de Jésus est imminent. Jésus-Christ appelle les hommes à lui. Jésus-Christ appelle les hommes à lui. Jésus-Christ appelle les hommes à lui. Afin de les sauver du péché. Les temps sont finis. Jésus-Christ aime les hommes. Jésus-Christ aime les vieillards. Jésus-Christ aime les jeunes. Jésus-Christ Jésus-Christ aime les femmes et les hommes. Il est venu pour sauver les hommes de leurs péchés. Parce qu'il a été crucifié pour les péchés des hommes. Jésus-Christ a vu le péché qui te rend esclave. C'est pour cela qu'il est mort. Pour toi la croix. Le mot à mon dégré au Jikuraba. Le seul qui pourra effacer tes péchés. Qui le mouna mouta kusei baka. Le seul qui pourra te pardonner tes péchés. Qui le mouna basei baka. Le seul qui pourra te faire entrer au paradis à la vie éternelle. Mon béga kabatene mon brek. Mon le mouna dougolo agana. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi Jésus-Christ de Nazareth.
Il est le véritable sauveur de l'humanité. En dehors de lui, Jésus-Christ, son féticheur ne pourra pas te sauver. En dehors de lui, Jésus-Christ, les gris-gris que tu as attachés à la hanche ne pourront pas te sauver. En dehors de Jésus, Jésus-Christ, les gris-gris que tu as accrochés dans ta maison ne pourront pas te sauver. En dehors de Jésus, Jésus-Christ, les gris-gris que tu as enterrés dans ton lieu de travail ne pourront pas te sauver. Je te dis la vérité. Pendant qu'il fait jour, viens à Jésus-Christ. Il est le seul qui sauve les hommes. Il est le seul qui pardonne les péchés des hommes. Parce qu'il est mort pour tes péchés. Et il est ressuscité le troisième jour. Afin de te donner la vie éternelle. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. L'homme n'est pas éternel sur la terre. Un jour tu vas mourir. Un jour tu vas quitter la terre. Un jour tu vas abandonner cette terre. Et tu iras pour le jugement. Quel bilan feras-tu à Dieu? Vas-tu lui dire que tu as passé tout ton temps sur la terre à fumer la cigarette? Vas-tu dire à Dieu que tu as passé tout ton temps sur la terre à te masturber? Vas-tu dire à Dieu que tu as passé tout ton temps à suivre les films pornographiques sur la terre? Vas-tu dire à Dieu que tu as passé tout ton temps sur la terre à commettre les avortements? Vas-tu dire à Dieu que tu as passé tout ton temps sur la terre à te dépigmenter la peau? Quel bilan feras-tu à Dieu au dernier jour? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché dans lequel tu vis, c'est la mort. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est venu à cause de tes péchés. Il est venu à cause des abominations que tu commets sur la terre. Afin de te pardonner. Afin de porter ton péché. Il est mort à cause de tes péchés. Il a été cloué à cause de tes péchés. Jésus-Christ est mort afin que tu n'ailles pas en enfer. Parce qu'il a vu la condition misérable des hommes dans le péché. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Parce que le péché qui te rend esclave, Jésus-Christ l'a détruit. Le péché qui te rend esclave, Jésus-Christ l'a détruit. La mort qui t'est réservée, Jésus-Christ a vaincu la mort pour toi. Jésus-Christ a vaincu la mort pour toi. Jésus-Christ a afin de te donner la vie éternelle. C'est pour cela la Bible dit que la vie éternelle se trouve en Jésus. Jésus-Christ. La vie éternelle, le pardon de tes péchés, ne se retrouve pas chez le féticheur. La vie éternelle, le pardon de tes péchés, ne se retrouve pas chez ton mari. La vie éternelle, le pardon de tes péchés, ne se retrouve pas dans ton compte en banque. La vie éternelle, le pardon du péché, ne consiste pas à immoler les animaux. Mais la vie éternelle se donne pas à Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour tes péchés. Et il est ressuscité. Afin de te donner la vie. Afin de te délivrer du péché. Afin de prendre le péché dans lequel tu vis. Afin de te délivrer du mensonge dans lequel tu es lié. Afin de te délivrer de la masturbation que tu pratiques. Afin de te délivrer de la haine que tu as dans le cœur. C'est
Jésus-Christ qui l'a fait. Jésus-Christ, en dehors de lui, personne n'est mort pour tes péchés. Même ton petit copain qui te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, il n'est pas mort pour tes péchés. Même sa femme, ton épouse n'est pas mort pour ton péché. Ton féticheur n'est pas mort pour ton péché. Ton papa, ta maman n'est pas mort pour ton péché. Mais Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est mort pour tes péchés. Mon maman de Gisei Baka. Il s'est sacrifié à cause de tes péchés. Maman tour de l'état de Gisei Baka. Parce qu'il t'aime. N'abandonne-le. Parce qu'il t'aime. N'abandonne-le. Et il ne veut pas te voir périr en enfer. Jésus ne veut pas te voir périr en enfer à cause du péché. Jésus-Christ, c'est pour cela. Ce soir, Jésus-Christ te tend la main. Afin de te sortir de tes péchés. Afin d'effacer tes péchés. Parce que si tu meurs dans l'ignorance, si tu meurs sans te repentir et accepter Jésus-Christ, tu iras malheureusement en enfer. Tu iras malheureusement en enfer. Parce que le salaire que te réserve le péché, le salaire que te réserve la cigarette que tu fumes, que tu ne veux pas abandonner, le salaire que tu réserves, l'alcool que tu bois, que tu ne veux pas abandonner, c'est l'enfer. Peu importe tes prières, c'est l'enfer. Moi, je souffre avec l'homme de la parce que tu es esclave du péché. Mais Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité, celui en qui réside la vie éternelle, il t'appelle à lui ce soir afin de te délivrer. Si tu vas sur Internet, tu verras beaucoup de personnes, les musulmans, les bouddhistes, les athées, les ivrognes, les menteurs, ils ont rencontré Jésus-Christ. Ils réfléchissaient comme moi avant. Il pensait qu'il pouvait entrer au paradis parce qu'il faisait des bonnes œuvres. Il pensait qu'il pouvait entrer au paradis parce qu'il prie, parce qu'il jeûne. Il pensait qu'il pouvait entrer au paradis avec ses péchés dans la main. Mais le jour où ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont suivi les témoignages. Il y a des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ. Sur Internet, sur YouTube, ils ont compris. Ils ont compris qu'il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie. Ils ont compris qu'il n'y a que Jésus-Christ qui délivre du péché. Ils ont compris qu'il n'y a que Jésus-Christ qui délivre de l'alcoolisme. Ils ont compris qu'il n'y a que Jésus-Christ qui délivre de la cigarette. Regarde, depuis des années, tu ne fais que fumer. Depuis des années, tu ne fais que boire l'alcool. Malgré tes prières, malgré tes jeûnes, tu es toujours esclave du péché. Tu ne t'es jamais posé la question. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré le sauveur de l'humanité. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui délivre du péché. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Pendant qu'il est temps, Jésus-Christ appelle à lui. Jésus-Christ, tu peux te mettre sur tes genoux et dire à Jésus, Jésus-Christ, s'il est véritablement vivant, Jésus-Christ, il a pitié de toi. Qu'il vienne dans ta vie. Et tu dois prendre la résolution d'abandonner le péché. Parce que le péché avec qui tu t'amuses, tu cohabites, c'est le ticket pour t'amener en enfer. Les temps sont finis. Les temps sont finis.
Tu peux mourir ce soir. Munga dede jiri. Tu peux mourir demain. Munga dede suba. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Langue royale. Pendant qu'il fait jour. Jésus-Christ tend la main. Jésus-Christ tend la main. Jésus-Christ tend la main. Jésus-Christ tend la main. Afin de te sauver. Afin de te sauver. Afin de te sauver. Afin de te délivrer. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ aime les hommes. Jésus-Christ, que Dieu nous demande à moi. L'amour de Dieu pour les hommes est profond. Sauvez-le, Yama, qui demande à moi, Yama, Yatouna. Même si tu as fait les avortements, même si tu as fait les avortements, et si tu te réponds, tu as fait accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il va pardonner tes péchés. Mon Dieu, le passé, Bakar. Même si tu es un escroc, même si tu fais un escroc, et si tu te réponds pour donner ton cœur à Jésus, ouais, ça ne nous tombe ni d'or, ça tombe Jésus-Christ. Jésus-Christ va te pardonner. Mon Jésus-Christ, il est là-bas. Mais s'il te plaît, ouais, man, le ne meurs pas dans tes péchés pour aller en enfer. Bon, Dieu, c'est Bakar, il t'a mis à faire. Ne meurs pas dans tes péchés pour aller en enfer. Bon, Dieu, c'est Bakar, il t'a mis à faire. Ne meurs pas dans l'ignorance pour aller en enfer. Bon, Dieu, c'est Nyakaham, il t'a mis à faire. Ne meurs pas dans tes péchés pour aller en enfer. Bon, Dieu, c'est Bakar, il t'a mis à faire. Les temps sont finis. Watoubudes, paretol. Les temps sont finis. Watoubudes, paretol. Et Jésus-Christ tend la main. Que Jésus-Christ mouglete la loho. Jésus-Christ tend la main, mon ami. Jésus-Christ mouglete la loho, ça mon ami. Il t'aime et il est mort pour te fêcher. Bognele, c'est mon mot d'engrisé, Baka. Il est le seul qui pourra te donner la vie éternelle. Moumrek, moi, le monde a dit à ce que nous dire. Peu importe les gris-gris que tu as fait dans ta maison. Ah, Gala, je vais monter hors ce birker. Peu importe. Les cordes que tu as attachées à ta hanche. Ces choses ne pourront pas te protéger. Ces choses ne pourront pas te garantir la vie éternelle. Parce que tout ça, c'est le mensonge du diable. Mais Jésus-Christ, ouais, Jésus-Christ, il est puissant pour te protéger. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est puissant pour te délivrer. Mom amna katana dole ngir mutal. Tu n'as pas besoin de te confier dans les fétiches. Songo wul ngey wetu sa yakar ci ay galay. Parce que ces choses-là ne sont que mensonges. Ndax dalay yoy yep dalay nas ay fenn. Si tu veux, il faut essayer tout à l'heure. Bobogé, jéma déliminé. Mais quand tu la vois, tu vas voir si les fétiches pourront te protéger. Tawa ki digi talibé da hol na. Le seul qui peut te protéger, c'est Jésus. Le seul qui peut te protéger, c'est Jésus. Le seul qui peut garantir ton âme, c'est Jésus. Parce que Jésus-Christ est le prince de paix. Il est la vie éternelle. Toi qui n'as pas la paix, viens à Jésus, il est celui qui donne la paix. Toi qui es fatigué à cause de tes péchés, viens à Jésus, il va te donner la paix. La vraie paix se trouve en Jésus de Nazareth. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Ne meurs pas dans l'ignorance. Ne meurs pas dans ta philosophie. Ne meurs pas dans les raisonnements. Ne meurs pas dans les raisonnements. Le seul dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui peut garantir ton âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ Bagnale. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ Bagnale. Il t'aime. Bagnale. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Jésus-Christ Bagnale, ça va go. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ Bagnale. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ Bagnale. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ Bagnale. Il est venu pour toi. Devenu grillon. Il est venu à cause de ton péché. Devenu Nassai Bakar. Jésus-Christ est venu mourir à cause de ton péché. Jésus-Christ est venu de Nassai Bakar. Afin de te donner la vie éternelle. Dirjong le Dunagadodia.
afin de te donner la vie éternelle. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala sokunala. Et t'invite à la repentance. Et vous me rendez de tous ces bâtards. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Et t'invite toi à sortir de la masturbation. Et vous me rendez de tous ces bâtards. Et bien, y'a mis foi, Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Et t'invite ce soir à sortir de la pornographie. Et t'invite à vous me rendez de pornographie. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Et t'invite ce soir à sortir de tes avortements. Et t'invite à vous me rendez de tes yakbir. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Et t'invite ce soir à sortir de la dépigmentation. Et t'invite à vous me rendez de tes yakbir. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Et t'invite ce soir à sortir de la pornographie. Et t'invite à vous me rendez de tes pornographie. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Et il t'invite ce soir à sortir de l'adultère. Et t'invite à vous me rendez de tes yakbir. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Et il t'invite ce soir à sortir de la fornication. Et t'invite à vous me rendez de tes yakbir. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Et il t'invite ce soir à sortir de la cigarette. Et t'invite à vous me rendez de tes yakbir. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. C'est pour toi qu'il est mort pour le péché. N'irai au moins à remonter tes droits. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ bëgnala. Et il t'invite à lui ce soir. Mais mon lait est au dimanche. Les temps sont finis. Jésus-Christ guérit les malades. Jésus-Christ, maman, il y a que des fièvres. Jésus-Christ guérit les malades. Jésus-Christ, maman, il y a que des fièvres. Toi qui es malade. Yomi, am jangoro sayram. Tu as cherché la guérison chez les féticheurs. Voilà le carom que tu vas faire. Mon roi, ça va être bien. Le seul qui guérit. Dis-moi comment tu es. Moi, je suis en train de me. Le seul qui guérit efficacement, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis en train de me guérir, moi, Jésus-Christ. Toi, tu es malade. Non, mais c'est vrai. Et tu as circulé partout avec ta maladie. Je garde le feu avec ta fièvre. Toi, tu es malade. Non, mais c'est vrai. Et tu as parcouru tous les médecins avec ta maladie. Et où est-ce que tu es? Hôpital, yop, à mon verbeur. Toi, tu es malade. Yop, yop, gangoro, sayram. Et tu as parcouru tous les fétichés avec ta maladie. C'est un gangoro, yop, à son fèvre. Tu as dépensé de l'argent. Je m'en ai donné 2 minutes. Tu as dépensé de l'argent, mon père, yop, le bahari. Tu as dépensé toute ta fortune. Mais tu n'as pas eu la question. Les gens n'ont fait que mentir. Mais n'y fait n'y la personne. Ils n'ont fait que te mentir. Ce soir, je t'invite à Jésus-Christ. Viens, nous allons prier pour toi si tu crois en Jésus. Jésus-Christ va te guérir. Jésus-Christ, mon bien la fin. Il va te guérir de ta maladie. Mon Jésus-Christ, il est le mouton de sa jangoro. Il va te guérir de ta dépression. Mon Jésus-Christ, il est le fin de sa jangoro. Jésus-Christ est la solution pour toi, mon frère. Jésus-Christ, mon point de solution. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Et le retour de Jésus-Christ est imminent. Toi qui n'as pas la paix dans le cœur. Toi qui es orphelin de paix de mère. Et à cause des réalités de ce monde, tu t'es livré au péché. Tu t'es livré à la colère. Tu t'es livré à la solitude. La Bible dit que Jésus-Christ est le père des orphelins. Jésus-Christ est prêt pour t'adopter. Jésus-Christ toutefois, si tu te répands et tu viens à lui. L'amour de Jésus-Christ est profond. L'amour de Jésus-Christ pour les hommes est profond. Jésus-Christ t'aime, donne l'amour éternel. Jésus-Christ t'aime, donne l'amour éternel. Même si les hommes t'ont rejeté. Même si les hommes t'ont rejeté. Même si et tu n'as personne sur cette terre. Et tu penses que tu es seul. Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il t'aime. Et ce soir, il te tend la main. Ce soir, il t'invite à lui. Ce soir, il t'appelle à lui.
afin de te sauver, afin de changer ton cœur, afin de te délivrer du péché, afin de te donner la vie éternelle. Les temps sont finis. Jésus-Christ est prêt. Jésus-Christ est là. Il te tend la main. Nous les dans le Quand tu vas à l'église, tu as envie d'aller à l'église. Mais tu continues encore à vivre dans le péché. Toi qui as encore la statue de Marie bien en place dans ta chambre. C'est de l'idolâtrie. Toi qui prie Marie, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui prie les morts. C'est un péché. Toi qui pries la statue de Marie. C'est un péché. Toi qui pries les faux photos de Jésus. C'est de l'idolâtrie. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est mort. Il était mort. Mais il est ressuscité. Et il vit pour le siècle des siècles. Jésus-Christ n'est plus à la croix. Jésus-Christ n'est plus à la croix. Mais il est vivant. C'est pour cela Jésus-Christ. Appelle toi qui as les statues encore dans ta maison. Les statues de Marie. Les statues de faux Jésus. Jésus t'appelle à tout jeter et à tout brûler. Parce que Jésus-Christ ne se trouve pas dans ces choses. Jésus-Christ n'est qu'au tibirio. Mais il se trouve dans sa parole. Ouais, mon Jésus-Christ, mon Gichikado. Toi qui prie les morts. Toi qui vas consulter l'esprit des morts de tes parents. C'est de la divination. Lolo, et Jésus-Christ t'appelle à la repentance ce soir. Jésus-Christ, afin de te sauver. Afin de te délivrer de l'idolâtrie. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, en dehors de lui, ton compte en banque ne pourra pas te sauver. En dehors de Jésus-Christ, ta femme, ton épouse ne pourra pas te sauver. En dehors de Jésus-Christ, personne ne pourra te sauver. Quel monde la mouture. Les temps sont finis. Moi, tu veux dire, n'a pas. Les temps sont finis. Moi, tu veux dire, n'a pas. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est de l'outil Jésus-Christ qui est là. Jésus-Christ, il y a la force. Jésus-Christ, il pleure. Parce que les hommes continuent à vivre dans le péché. Jésus-Christ pleure. Jésus-Christ, parce que les hommes continuent à quoi vivre dans la masturbation. Jésus-Christ pleure pour ton âme. Jésus-Christ, parce que tu continues à quoi te livrer à la pornographie. Jésus-Christ pleure pour ton âme. Jésus-Christ, parce que tu es encore esclave de la fornication. Mais Jésus est mort pour tous ses péchés. Afin de sauver les hommes. Toutes ces fois que tu continues à quoi vivre dans le péché. Tu crucifies encore le Fils de l'homme. Tu continues encore à crucifier Jésus-Christ encore à la croix. Mais aujourd'hui, Jésus de Nazareth, il t'aime. Il t'aime. Il ne veut pas que tu périsses en enfer. C'est pour cela qu'il nous a envoyé ce soir. Afin de te dire, mon fils, ma fille, je continue encore à t'aimer. Je continue encore à être patient. Et je t'invite encore à la repentance. Parce que le salaire du péché, c'est le lac de feu. Ne meurs pas pour aller en enfer. Ne meurs pas dans tes péchés pour aller en enfer. Ne meurs pas dans tes péchés pour aller en enfer. Aucun homme sur la terre
de pourra te délivrer du péché. Même ton mari, même ton épouse, même aucun d'eux ne pourra te sauver du péché. C'est pour cela ce soir, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ et il te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Jésus-Christ et il t'appelle à la repentance. Parce que Jésus a versé le sang à la croix. Jésus-Christ, mon retour de l'État. Afin que ton âme soit sauvée. Yes, sir, ou mon amour. Afin que tu sois sauvé de ta péché. Yes, mon amour, tu sais, Baka. Les gens sont finis. Moi, tu me laisses barrer ton. Efface les films pornographiques de ton téléphone. Élimine les films pornographiques de ton téléphone. Efface les films pornographiques de ton téléphone. Genel, efface les films pornographiques de ton téléphone. Abandonne la fornication. Genel, signalo. Abandonne le vol. Genel, le mensonge. Et donne ton cœur à Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui a un plan parfait pour toi. Il est le seul qui est mort pour tes péchés. Mon Jésus-Christ, mon vrai Kabiengi Sebaka. Afin de te donner la vie éternelle. Ne meurs pas dans la fornication. Toi qui te déprimentes la peau. La déprimentation est une abomination. Vous, mes amis, qui vous tracez les cheveux, qui vous tracez les cheveux. C'est un péché aux yeux de Dieu. Vous les femmes, qui mettez les faux cheveux sur la tête. C'est un péché devant Dieu. Parce que les faux cheveux, ce sont des serpents. Et quand tu mets ces choses sur ta tête, ce sont les esprits des eaux qui viennent te visiter. Je vous dis la vérité, mes amis. Sortez du péché. Enlevez vos cheveux. Vous les hommes qui vous êtes tressés les cheveux, défaites tous ces cheveux-là. Toi, femme qui a mis les faux cheveux sur la tête, enlève tous ces faux cheveux. Parce que ce sont des serpents spirituellement. Et toutes les femmes qui mettent les faux cheveux sur la tête, vous êtes possédés par la suite des eaux. C'est pour cela, lorsque tu dors la nuit, tu vois les hommes qui viennent coucher avec toi. C'est pour cela, lorsque tu dors la nuit, tu te vois en train de pratiquer la fornication avec les hommes. C'est pour cela, lorsque tu dors la nuit, tu te fais le Seigneur appelle les hommes à la repentance. Enlevez vos faux cheveux. Venez laisser les faux cheveux. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 9. Bible venez du livre Timothée 1, chapitre 1, verset 2 à 9. Que la femme ne doit pas se vêtir de vêtements indécents. Allez vous dire, comment on a le sol à Yéreïou. Ne doit pas mettre les traits sur sa tête. Allez vous dire, ne roulez pas les faux cheveux. Parce que toutes ces choses sont une abomination à l'Éternel. La Bible dit dans Deutéronome 5, verset 22. Que la femme ne doit point porter de vêtements d'homme. Allez vous dire, ne roulez pas. Le pantalon n'est pas fait pour la femme. Lorsque tu portes pantalon, toi femme, tu exposes ta nudité devant les hommes. Et lorsque tu tournes tes fesses dans le quartier, tous les hommes qui te voient te convoitent. Tu les amènes à te convoiter. Et tu es un instrument du péché. Et le sort qui est réservé pour toi, c'est le lac de feu si tu ne te répands pas. C'est pour cela que Satan a créé encore de multiples articles. Les produits kits de dépigmentation, les faux cheveux, les piercings, les produits pour se dépigmenter la peau, les machines pour se tatouer la peau. Tout ça, c'est l'abomination devant le Seigneur. Toi qui te fesses la langue, toi qui te fesses les oreilles, toi qui te fesses la lèvre, toi
femmes qui mènent les collants. Des faux ongles. Des fossiles. Des rouges à lèvres. Des maquillages. Tu es en train de te tromper toi-même. Dieu ne te veut pas dans ces choses. Lorsque tu te maquilles, tu te donnes une apparence qui n'est pas la tienne. Et aux yeux de Dieu, tu es un hypocrite. Aux yeux de Dieu, tu es un menteur. Et les menteurs n'ont pas part à la vie éternelle. C'est pour cela, toi, toi, tu prends ton argent pour aller payer les produits de pigmentation. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus-Christ, parce que toutes ces choses dans lesquelles tu t'attends, vont t'amener en enfer. Dieu a fait ton corps à son image et à sa ressemblance. Dieu ne t'a pas donné ce joli corps pour que tu puisses te dépigmenter. La dépigmentation est un péché. Abandonne la dépigmentation. Abandonne les faux cheveux. C'est le péché qui te conduit à faire toutes ces choses. Et la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je te dis la vérité. Dieu ne t'a pas enseigné ces choses dans ton église. C'est parce qu'il ne t'aime pas. Tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Et aller lire ta Bible. Et prier le Seigneur. Afin qu'il se révèle à toi. Les temps sont finis. Jésus-Christ appelle les féticheurs à lui. Jésus-Christ appelle les féticheurs à lui. Jésus-Christ appelle les féticheurs à lui. Jésus-Christ appelle à la repentance. Si tu meurs dans le péché, si tu meurs dans la masturbation, Satan va te déchirer en enfer. Pendant qu'il fait encore jour. Répands-toi de tes péchés. Les temps sont finis. Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Afin que tu sois libre du péché. Le sang de Jésus-Christ est encore disponible. Jésus-Christ est encore amour. Jésus-Christ appelle la bataille. Afin de te pardonner tes péchés. Jésus-Christ est encore amour. Jésus-Christ bataille sauve la bataille. Afin d'effacer tes péchés. Jésus-Christ est encore amour. Jésus-Christ appelle la bataille. Afin de te délivrer de tes péchés. Les temps sont finis. Si tu raisonnes sur la terre, on ne fait que tu ne prends pas raisonner. Pour te justifier dans le péché dans lequel tu vis. En enfer, tu n'auras pas de raison de raisonner. En enfer, tu n'auras pas l'occasion de raisonner. Les temps sont finis. Tu peux mourir à tout moment. Mais ne meurs pas dans le péché. Je te dis la vérité.
Je te dis la vérité. Manglay wa deug. Je te dis la vérité. Manglay wa deug. Je te dis la vérité. Deug la lay wax. Jésus-Christ. Jésus-Christ bëgg na la. Et les temps sont finis. Te waxu jeerna. Les temps sont finis. Te waxu jeerna. La Bible dit. Bible bëne na. Il y a une femme. Dafa amon ben xalé bu jigé. Elle vivait dans le péché. Ci bakkar la nekkon. Elle pratiquait l'adultère. Mom seigne dalo la dekkon. Un jour. Waye bëss ñew. Les hommes l'ont traîné devant Jésus. Nit ñi japp ko diri ko andi ko ci kanam Jésus-Christ. Et les hommes s'attendaient. Et do mo adamay dañ dem xaar. As que le Seigneur la condamne. Ngir Jésus-Christ dañ ko. Mais Jésus-Christ. Waye Jésus-Christ. Comme il est amour. Comme on t'appelle. Comme il est venu pour mourir pour la péché des hommes. Comme mon Jésus-Christ dafa ñew ngir dé ngir bakkar do mo adamay. Jésus-Christ a pardonné à cette femme. Jésus-Christ dañ ci bal xalé bu jigen bo. Malgré ce péché d'adultère. Malgré que xalé bu jigen bo ci jallo la nekkon. Malgré ce péché d'impudicité, malgré que vous dites que vous voulez dire que Jésus-Christ est encore prêt pour te pardonner. Jésus-Christ a un dire par la vie. Peu importe tes abandonnements, peu importe tes masturbations, peu importe les mensonges que tu as pratiqués, peu importe l'homme faux, la femme fausse que tu es, peu importe le mal dans lequel tu as vécu jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ te tend la main pour te sauver. Parce qu'il t'aime. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Jésus-Christ veut que tu m'aimes. Il a un plan de vie éternelle pour toi. C'est le seul qui va t'amener au paradis. En dehors de Jésus-Christ, personne ne peut t'amener au paradis. Ton petit copain ne pourra pas t'amener au paradis. Ce frère, mon ami, au paradis. Ces produits que tu utilises pour te documenter la peau ne pourront pas t'amener au paradis. Mais le seul qui pourra t'amener au paradis, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ, en lui seul, tu peux avoir le pardon de tes péchés. En dehors du nom de Jésus. Quand on trouve Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le pardon de tes péchés. Quel monde là passe et bata. C'est pour cela, l'homme montarit. Jésus te tend la main. Jésus-Christ, vous glissez dans le lot. Jésus te tend la main. Jésus-Christ, vous glissez dans le lot. Jésus continue toujours à t'aimer. Bataille Jésus-Christ parce qu'il ne veut pas que tu périsses dans le lac de feu. Non, mon Jésus-Christ, Jésus-Christ est encore passé avec toi. Jésus-Christ, bataille parce qu'il ne veut pas que tu termines ta course en enfer. Non, Bougoul se donne yop, mais il veut que tu te répandes de tes péchés. Il veut que tu abandonnes le péché dans lequel tu vis. Le mensonge dans lequel tu vis. La masturbation que tu continues à pratiquer. Le mensonge, le vol que tu continues à pratiquer. Jésus-Christ est encore patient. Jésus-Christ, il attend que tu te répandes. Que tu abandonnes ce péché. Et que tu viennes à lui de tout ton cœur. Parce qu'il est le seul sauveur de l'humanité. Il est le seul sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le seul qui pourra sauver les musulmans. Jésus-Christ est le seul qui pourra sauver les féticheurs. Jésus-Christ est le seul qui pourra sauver les athées. Jésus-Christ est le seul qui pourra sauver les athées. Jésus-Christ est le seul qui pourra sauver les ivrognes. Jésus-Christ est le seul qui pourra sauver les pécheurs. Parce qu'il s'est attaché pour toi. Afin de te donner la vie éternelle. Les temps sont finis. Mon ami, tu n'as plus beaucoup de temps sur la terre. Il ne te reste plus beaucoup de temps sur la terre. Si Dieu fait grâce, d'ici quelques années, tu vas vieillir. Tu vas perdre les forces.
Tu vas perdre tes forces. Mais quel bilan feras-tu à Dieu au dernier jour? C'est pour cela, pendant que ces jours, pendant que tu as encore l'occasion de te répentir, et de donner ton cœur à Jésus, il faut que tu le fasses tout de suite. Il faut que tu le fasses tout de suite. Parce que les temps sont finis. Maman, Jésus-Christ t'aime. Il est le sauveur de ton âme. Si tu meurs sans le connaître, tu ne pourras pas entrer dans la vie éternelle. Si tu meurs sans te repentir de tes péchés, tu ne pourras pas entrer dans la vie éternelle. Il est le seul qui sauve les hommes. Jésus-Christ est le seul qui sauve les hommes. Jésus-Christ, Jésus-Christ est le seul qui donne le pardon des péchés. Mon vrai Jésus-Christ, par le sang qu'il a versé pour toi à la croix. Jésus-Christ a été qualifié comme étant le sauveur des hommes. Jésus-Christ, c'est pour cela. Tu as urgentement besoin de Jésus. Quand tu as l'église de Jésus-Christ, tu as urgentement besoin de te repentir de tes péchés. Quand tu as l'église de Jésus-Christ, et de donner ton cœur à Jésus-Christ. Tu peux fréquenter les églises. Mais c'est mieux de te repentir de tes péchés. Tu peux chanter et danser dans les églises. Mais c'est mieux que tu abandonnes le péché. Sinon, tu vas atterrir dans le lac de feu. Tu vas atterrir dans le lac de feu. La Bible dit, dans le livre d'Hébreu, que celui qui continue à pécher volontairement, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de pardon de péché pour lui. Mais ce qu'il attend, c'est le feu ardent. C'est le feu ardent dans lequel il va brûler. C'est pour cela Jésus-Christ t'appelle à la repentance. La repentance sincère. Lorsque Jésus-Christ a commencé à prêcher à Jérusalem, il a dit aux hommes, repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. L'enlèvement de l'église est proche. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares pour entrer dans la vie éternelle? Est-ce que tu es en train d'abandonner la cigarette? Est-ce que tu es en train d'abandonner la fornication pour entrer dans la vie éternelle? Est-ce que tu es en train d'abandonner le mensonge pour entrer dans la vie éternelle? Les temps sont finis. Jésus-Christ appelle à lui. Jésus-Christ appelle à lui. Jésus-Christ appelle à lui. La Bible dit, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme d'avoir tous les pieds de la terre, mais de perdre son âme? À quoi sert-il à un homme d'avoir les belles villas, les belles maisons? À quoi sert-il à un homme d'avoir les belles voitures de ce monde? À quoi sert-il à un homme d'avoir beaucoup d'argent en compte? Le dernier jour, tu perds ton âme en enfer. Les temps sont finis. C'est pour cela. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ et il te tend la main, mon frère. Il te tend la main, mon frère. Jésus-Christ Jésus-Christ et il te tend la main. Gloire à Jésus. Le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité.
Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le seul qui donne la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Le seul qui s'est donné aux hommes à la croix. Gloire à Jésus-Christ. Le véritable Dieu. Les temps sont finis. L'amour de Jésus est présent pour toi. Wow, tu as fait le Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.